Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que cette année se termine en beauté pour chacun de vous. Soyez les bienvenus dans ce Shabada spécial fête de fin d'année avec Fabrice Rago à la guitare, Aurélien Noël à l'accordéon, David Lefebvre à la basse, Franck Delassue au piano et Yannick Unier à la batterie. Et bien sûr, comme chaque dimanche, notre Père Noël, il a dans sa hotte toute l'histoire de la chanson française, c'est Jack Messis. Yes, la troupe de Mozart est de retour au Palais des Sports à Paris. Bonjour Michele, bonjour Florent et bonjour Maëva. Sylvie Vartan est avec nous pour un nouvel album, ainsi que la toute jeune Caroline Costard. Bonjour Caroline, bienvenue sur le plateau de Shabada. C'est une émission aujourd'hui à regarder en famille avec des spectacles de Noël. Vous pourrez voir tout à l'heure sur ce plateau la troupe de Cendrillon, celle de la comédie musicale Il était une fois Joe Dassin, et puis les toutes jeunes filles aussi du groupe Vox Angeli. Alors Sylvie, comment ça se passe Noël chez vous? C'est très traditionnel, le sapin, la bûche, ah oui, les Noël, marrons? Noël, c'est la fête quand même. C'est vraiment la fête traditionnelle avec les amis, la famille et puis les enfants. Il faut qu'il y ait des enfants quand même, sinon c'est triste. Le sapin, les cadeaux, le Père Noël, tout, hein? Oui, oui, oui. Vous, Michele, Florent, Maëva, c'est sur la scène du Palais des Sports, Noël, oui, comme oui. Le jour de l'an cette année. Oui. Ouais. Et c'est fête quand même ou pas? Oui, non. C'est fête quand même, c'est clair. Ouais. En famille. En oui. Famille, entre en famille, vous. On est tous ouais. Ensemble. Ouais. On a même eu un Père Noël qui est descendu du ciel l'année ouais. Dernière. Oui, c'est vrai. Bah oui, ce sont des choses vraiment. Qui arrivent. Hein. Ça a dû vous arriver peut-être aussi chez vous. Alors, on commence avec un cadeau de Noël pour tous ceux qui vous aiment. Et ils sont nombreux parce que vous battez tous les records à la fois de spectateurs, de ventes de disques, etc. Donc, on commence tout de suite avec un medley de Mozart. Vous voulez bien? C'est bientôt la fin de ce monde qui n'entend rien. Tasse-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Je baiserai tes mains, je ferai que ça te plaise. Tasse-moi sur tes murs, un futur à composer. Je vous m'unis à la symphonie, au réveillère. Tu empares des pires ce que je sème. Je vous m'unis à la symphonie et au blasphème. J'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. Tout ce qui s'aime. Je vous m'unis à la symphonie. La symphonie. J'avoue, je maudis tout ce qui s'aime. Voilà. Cadeau de Noël pour les enfants. Tous les enfants en sont dingues. La preuve, Jack est red dingue de Mozart qu'il est venu voir. Hein. Oui, c'est vrai. Et c'est terrible parce que l'air final, on l'a pendant trois jours après. Ouais. Et ce qui est fascinant dans ce spectacle, c'est la grande tradition de la comédie musicale. C'est-à-dire qu'il y a des beaux décors, des beaux costumes. La tradition du comique qui n'existait plus dans la comédie musicale à la française. Et moi, je suis allé le jour où c'était l'anniversaire de Michele, qui est né le jour de la mort de Mozart, curieusement. Et ben, ce jour-là, c'était son anniversaire, mais c'était le public qui était à la fête. Ah ben voilà. Caroline,
Tu ne les as pas vues encore Non, je ne les ai pas vues encore. Voilà, tu connais évidemment les chansons, l'album. Oui. Alors, à l'âge, tu as 14 ans, c'est où la plupart des jeunes filles attendent des cadeaux de Noël. Toi, tu en as eu un très beau puisque tu as sorti ton premier album. Non, pas encore. C'est mon premier single. Premier single. Voilà. Ah ouais, premier single. Non, mon premier album sortira en 15 février. Ah voilà, voilà. Ça arrivera un petit peu plus tard. Tu as déjà quand même une longue carrière à la télévision derrière toi, puisque tu as participé à des émissions diverses. Lesquelles, par exemple? Alors, j'ai participé à Ça se discute, ouais. Les années bonheur, Incroyable talent qui m'a révélée. Vraiment. Et après, voilà, il y a eu plusieurs émissions, enfin, des reportages dans l'émission Reportage et 100% Mag. Alors, c'est vrai que c'était impressionnant. Quand est-ce que tu as commencé ta première télé comme ça? Tu avais quel âge? J'avais 5 ans et demi, 6 ans, c'était pour Star à domicile. Voilà, il y avait Jennifer qui est venue chez moi pour ma grande sœur. Et, de là... et c'est vrai que moi, j'ai vu quelques images. C'était impressionnant parce que tu avais déjà un bagou incroyable. Tu parlais comme si tu avais fait ça toute ta vie. Tu n'as jamais été intimidée par la télévision? Non, ça fait partie de ma vie. Enfin, maintenant, ça fait partie de ma vie. C'est ma grande passion. Alors, quand on n'a que l'amour, une chanson de Jacques Brel, absolument, de très, 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 très longtemps avant ta naissance. Mais pourtant, c'est une chanson que tu as eu envie de chanter aujourd'hui. Et ça tombe bien dans cette période de fête parce qu'on a aussi l'amour et c'est important. Quand on n'a que l'amour offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson. C'est quand même impressionnant, hein, Michele, Florent, je vous voyais, vous l'avez couvé de regards très tendres. Oui, parce que c'est la passion qui est impressionnante, qui l'amènera là où elle veut aller. Donc voilà. Merci beaucoup. Vous l'invitez au Palais des Sports, elle peut venir voir Mozart? Avec oui, même dans les coulisses, si tu veux. Super. Merci. Sylvie, vous aussi, vous avez commencé presque à cet âge-là, hein. Vous avez commencé très tôt la chanson. Oui, j'avais 16 ans. 16 ans, bah ouais, c'était elle presque... a une voix magnifique. Magnifique. Bravo. Hein. Bravo. Elle chante une chanson très difficile en plus. Ouais. Ouais. Alors, très je voulais vous faire un petit cadeau de Noël, vous aussi. Mais d'abord, je voudrais que vous regardiez ces images. One more time, encore une fois, puisqu'on est toutes les trois. Yeah. One more time, encore une fois. One more time, encore une fois, nous on ne s'en lasse pas.
donc avec Pétula Clark et Françoise Hardy, avec des chaises, c'était très très moderne, musical, hein, ce trucage, musical, des chaises musicales. Oui. Et vous chantiez On ne se voit pas assez souvent. Mais dans les paroles, vous dites on se voit pas assez souvent, il faudrait qu'on se voit plus souvent. Oui, c'était adapté pour l'émission de télévision. Pour cette émission-là. Alors on s'est dit, puisque vous la voyez pas assez souvent, on va la faire venir pour vous. Pétula Clark est là. C'est une très bonne idée. Pétula Clark est avec nous aujourd'hui et c'est une grande chance et un grand privilège de l'accueillir dans Shabada. Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Une à une, les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. Ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fait un temps abominable. Heureusement tu as ton imperméable. Mais ça n'empêche pas la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Il fallait venir jusqu'ici pour jouer les amoureux transis et patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris. L'année prochaine, nous irons dans un pays où il fait bon et nous oublierons la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue. Ouh, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Pétula Clark, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans ce Shabada. Vous connaissez Sylvie, bien sûr. Vous connaissez depuis longtemps. Ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas croisés. Ça fait très longtemps. La dernière fois, c'était à Los Angeles. À Londres, non. À Londres. Parce que je t'ai vue dans la comédie musicale. Sunset. Oui. Non. Non, lequel? Avant. Oui. Quoi? Sound of Music? Sound of Music. Oh, ça, c'est loin. Mais c'est loin, je sais. Oui. Je sais. Oui, on est trop séparés, là. Mais oui, il y a une raison pour ça. Bah, c'est pour que vous vous regardiez bien droit dans les yeux. Quand deux chanteuses se rencontrent, qu'est-ce qu'elles racontent des histoires de chanteuses. Alors, Pétula, dans les années 60, vous êtes très vite devenue la française, enfin, ou la chanteuse anglaise la plus connue en France, la plus française des interprètes anglaises. Mm-hmm. Vous avez chanté du Boris Vian, du Gainsbourg. Moi, je me souviens, j'ai toutes les images des émissions des Carpentiers qui me reviennent en mémoire. Vous étiez toute petite, alors. Vous, avec... On va dire ça. Vous étiez habillée en clocharde avec Serge Gainsbourg, ouais. En train de chanter la gadoue, avec Joe Dassin. On a fait les choses ensemble, Sylvie, si bien sûr. Ouais. C'était des émissions extraordinaires. Oui, avec formidable. Il y avait beaucoup de fantaisie et de gaieté. Oui, ouais, et les préparations pour les émissions chez eux, c'était toujours très drôle. Ah, formidable. Ouais. Jack, il y a une star qui doit beaucoup à Pétula aussi. Oui, c'est Dalida. Car Dalida, quand elle a débuté, elle a repris en 57-58 deux chansons de Pétula, qui étaient des succès en Angleterre, qui étaient Je pars, et qui était la seconde
Gondolier, bravo. Et Dalida et Petula Kak ont un autre point commun, c'est qu'elles ont débuté toutes les deux à l'Olympia, à Musicorama, la grande émission d'Europe 1 à l'époque. Alors si on résume votre carrière, Petula, en chiffres, ça donne plus de 50 années d'enregistrement de disques, plus de 1000 chansons et quand même 68 millions de disques vendus. Ça laisse rêveur, hein, quand même. Quand on vous a demandé de choisir une chanson... vous avez opté pour un grand classique de la chanson française, mais qui est devenu aussi une chanson internationale, c'est Clopin, Clopin. Caroline, tu connais cette chanson ? Agadou ? Non, Clopin, Clopin. Clopin, Clopin. Ah, faut suivre, hein, c'est comme à l'école. Non, je connais pas. Tu connais pas ? Bah, tu vas la découvrir, Petula va la chanter pour nous tous. I go along, Clopin, Clopin, saying he's gone, he's gone, he's gone. My lonely heart cries like a baby. Without his love, what will my day be? So I go on, Clopin, Clopin, saying he's gone, he's gone. He's gone. Love is a dance, you gotta learn it. I had my chance, why did I spurn it? What can I do but carry on going along, Clopin, Clopin. Et je m'en vais, Clopin. Merci Petula. Vous parliez tout à l'heure, Sylvie, de comédie musicale. Il y en a une qui a fait aussi le tour du monde, c'est Hello Dolly. Oui, qui est en réalité une histoire qui date de 1835, qui a été adaptée à Broadway en 1964. Après, en 69, c'est devenu un film avec Jane Kelly qui le réalisait et Barbara Streisand. Et ça s'est très mal passé entre Jane Kelly et Barbara Streisand, puisqu'à la fin, il a dit « Le problème de Barbara, c'est qu'elle est devenue star avant d'apprendre son métier, donc ça ne passe pas du tout, elle, ce n'est pas une bonne actrice, elle ne sera jamais. Ouais. » Ça s'est arrangé ensuite. La suite lui a donné tort. Mickey Lé, Maëva, des comédies musicales comme ça qui ont démarré en 1960 et quelques, dont on connaît encore les airs aujourd'hui, ça vous fait rêver? Oui, moi j'aime bien Little Night Music. Stephen Sondheim. Oui. C'est merveilleux. Sondheim. Oh, oui, extraordinaire. Okay. Je suis d'accord. Et Petula Clark m'a appris à chanter avec ma voix bien. Ah bon? Pas en déguisant ma voix, en fait. Comment ça, elle t'a appris à chanter? Quand j'écoutais des choses un peu plus ancienne de ce que le panorama comme ça proposait à l'époque comme ça. Et j'ai remarqué que Petula Clark, elle chantait avec une voix complètement dégagée. C'était elle qui s'exprimait comme ça avec sa voix naturelle. Et j'ai voulu faire la même chose. Donc, voilà. Ah ben voilà. Alors on va vous entendre si tu veux chanter avec Petula. Merci, c'est moi qui dis merci. Un petit extrait de Hello Dolly, vas-y, hein, n'hésite pas. Ok. Dolly, ma jolie Dolly, je crois bien que tu as perdu la partie. Quand tu dansais, Dolly, je pleurais, Dolly. Mais le ciel pour moi est bien plus bleu après la pluie. Où tu es, ah, j'ai compris que toi, que tu n'aimais que toi. Aujourd'hui, il est revenu dans mes bras. Oui, ma jolie Dolly, t'as perdu la partie, Dolly. C'est moi qui chante, qui danse aujourd'hui. Oui, ma jolie Dolly, t'as perdu la partie, Dolly. C'est moi qui chante, qui danse aujourd'hui. Hey. Merci.
Pétula et Sylvie étaient à fond. Hein. Formidable. Ouais, j'entendais qu'ils faisaient les chœurs et tout derrière. Vous avez beaucoup chanté aussi avec Joe Dassin. Dans mes souvenirs, je vous associe beaucoup l'un à l'autre. Ouais, c'était un ami. Ensemble, ouais, tout le monde chantait ensemble. C'est un peu lui qui vous a fait venir au début en France ? Non, pas particulièrement. Oui, non. Non, c'est une longue histoire. On n'a pas le temps pour raconter tout ça ah ce bon soir. C'est quoi la longue histoire? Quand je suis venue en France? Ah oui, comment vous êtes venue en France? Oh là là, c'était une histoire d'amour. Ce n'était pas du tout pour ma carrière. Mais pas avec Joe Dassin? Non. Il était beau, Joe. Ah oui. Ah, ça... il était splendide. Oui, ouais. Je l'aimais beaucoup. Ah oui, vraiment. C'est difficile. Lui et Sacha, vraiment, ce sont les gens qui me manquent encore. Sacha Distel et Joe Dassin. Alors pour vous aussi, Pétula, nous avons un cadeau de Noël, même si c'est un petit peu après. Regardez ces images et après, vous aurez votre cadeau. Et je t'y donnerai en guise d'étreinte le seul cadeau auquel je tienne, un cadeau qui ne vient de papa, c'est moi. Je vais t'acheter des plages, des paquebots, des igloos, des visons sauvages, des lions en cage et le petit Larousse des mots doux. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Et c'est pas tout, c'est pas tout. Tu auras mes souvenirs de gosse, mes rêves les plus fous, tous les châteaux, tous les carrosses qu'on a quand on n'a pas un sou. Et c'est pas tout, et c'est pas tout. Comme c'est pas tous les jours l'année nouvelle, les rois, les pacos, la Noël, on se fera la fête quand on voudra. Et je t'y donnerai en guise d'étreinte le seul cadeau auquel je tienne, un cadeau qui ne vienne pas passer moi. Vous vous souvenez de cette séquence avec Joe? Oui, avec les cadeaux de Noël. Oh, mais c'était la joie. C'était la joie. Oui. Toutes ces émissions étaient la joie, mais avec Joe, c'était très spécial. Alors maintenant, pour vous, justement, la troupe de la comédie musicale qu'on voit en ce moment à Paris et que vous devriez aller voir d'ailleurs, autour de l'histoire de la vie et des chansons de Joe Dassin, ils sont tous là et ils vont vous proposer un medley des plus belles chansons de Joe Dassin. C'était les Dalton. C'était les Dalton. Tagada, y'a plus personne. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet de glantine. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Zai, 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 zai. Hey! Oh! Oh! Ce que j'avais, mais je savais bien que toutes les femmes du monde m'attendaient. Il y a du fil dans ton rêve et c'est l'âme qui l'endort. Il y a du fil qu'on regrette et celle qui lève, c'est des remords. Il y a du fil que l'on aime et celle qu'on aurait pu aimer. Puis un jour, il y a la femme qu'on attendait. La la la. Yeah.
partageait tout et on avait rien. Parce qu'on était fous, parce qu'on s'en foutait, parce qu'on était bien. La troupe de la comédie musicale, il était une fois Joe Dassin au Grand Rex à Paris, un énorme succès. Et maintenant, bonsoir Julien, merci d'être avec nous, merci à tous. Donc après ce grand succès au Rex à Paris, ce spectacle mis en scène par Christophe Baratier va jouer les prolongations du 11 au 23 janvier 2011 avant de repartir en tournée dans toute la France. Pétula, vous connaissez Julien Dassin ? Oh oui, magnifique. Mais c'est vrai. Ça fait un drôle d'effet pour vous de faire ça, de chanter les chansons de votre père. Bien évidemment, oui, ça me fait pas un drôle d'effet. C'est moi qui choisis mal les mots, excusez-moi. Non, parce que même moi, je ne les trouve pas. C'est beaucoup de plaisir. Avant tout, c'est beaucoup de plaisir de le faire et de voir la réaction des gens tant d'années après. C'est un peu magique, ça. Hein? Oh, c'est plus que magique, pas d'autres mots. Mm-hmm. Bravo, moi, j'ai presque envie de te demander, est-ce que ça te fait un drôle d'effet d'être face à Pétula et avec Sylvie, qui sont des personnes que tu as vues dans les émissions où, quand tu étais petit, tu regardais ton papa. Tout à fait, j'ai vu énormément de vidéos, entre autres Pétula, cette vidéo qu'on a vue tout à l'heure, que j'ai vue il y a bien, bien longtemps, quand j'étais tout petit. Ouais, vous ne vous étiez jamais rencontrés ? Non. Non. Et bien voilà, c'est chose faite aujourd'hui dans Chabada. Ravie. Julien, comment ça se passe le spectacle en ce moment, la tournée après le Grand Rex, ça a été un triomphe ? Ah ben ça se passe très très bien. On est donc tous les soirs dans une ville différente, mais le public est le même. Ah oui. Tout le temps, c'est vraiment, c'est incroyable. Tout le monde connaît toutes les chansons par cœur, évidemment. Bah, limite, on ne pourrait ne pas chanter. Ouais, c'est ça. Vous lancez le truc et puis hop, ça part. Non, vraiment, les gens sont très heureux et on les voit sortir du show. Ils sont heureux, voilà. C'était son but. Il le disait lui-même, faire des chansons pour rendre les gens heureux. Je pense que ça. Tu es heureux d'être sur scène, toi ? Très heureux. Ouais. Très très heureux. Eh bien, merci beaucoup, Julien. Et puis, bonne route dans cette tournée. Pétula, vous sortez un best-of de 3 CD avec 64 chansons et que des tubes de la chanson française et internationale. Ouais, il y en a pas mal, oui. Très pas beaucoup mal de tubes, oui. Ouais. Il y a quelques-unes moins connues que j'aime beaucoup. C'est souvent comme ça. Hein. C'est, c'est pas toujours les tubes qu'on préfère, nous. Oui, hein, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Oui, mais tu en as quelques-uns quand même qui sont restés... dans nos cœurs et dans nos esprits. Ouais. Et puis, actuellement, vous travaillez au cœur d'une association aussi qui s'appelle Art Thérapie. C'est une association qui aide un peu les gens à travers l'art. Bien sûr, ce sont les enfants, les adolescents qui sont malades, qui sont traités médicaments. La musique et l'art les aiment là où les piqûres ne peuvent pas aller. Et j'ai fait une chanson pour eux que j'ai enregistrée à New York. Et voilà, elle est là, Butterfly in the Snow. Ça veut dire papillon dans la neige, qui est très rare. Jack,
La plus célèbre chanson de Petula, c'est, je crois que c'est 3 millions d'exemplaires, c'est Downtown. Ça a été un hymne. Ah, toutes les fanfares à New York le jouent. Et je sais même qu'après la tragique 11 septembre 2001, pour faire revenir les touristes dans la ville, on a utilisé en guise de musique de générique Downtown. C'est vrai. Oui, elle était dans Lost. Et on va faire remixer, je ne sais pas combien de fois. Cette chanson a une vie à elle. Oui, pour moi, c'est merveilleux. Mais pour Tony Hatch qui a écrit la chanson, c'est encore mieux. A cappella, ça donne quoi, la Downtown? When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, but no. Assez, comme ça? Oh oui, non, c'est très bien. Merci, Petula. Comme on prolonge un peu Noël ce soir, moi je fais plein de cadeaux, même des choses que je ne possède pas. Je vous invite à aller voir Mozart sur scène. Ah, j'ai envie. Alors Maëva, joli cadeau aussi pour ce Noël, c'est le dessin animé Disney, Réponse, dans lequel tu fais la voix du personnage principal, donc c'est pas rien, tu parles et tu chantes, et tu donnes la réplique à Isabelle Adjani qui joue ta maman, une méchante maman, elle n'est pas comme ça dans la vie. Pas du tout. Et à Romain Duris, qui joue un beau prince, il n'est pas comme ça dans la vie. C'est pas un prince, c'est un voleur, effronté et dragueur loser. Ouais, il n'est pas comme ça dans il la vie. Il est comme ça. Ah ouais. D'accord. ton personnage tombe amoureuse de Flynn, donc lui, Romain Duris, ça non plus, c'est pas comme ça dans la vie. C'est le personnage, hein, c'est. C'est ton personnage, c'est pas qui moi. Ouais, c'est pas toi, d'accord. On va voir quelques images de l'enregistrement du doublage de ce très joli dessin animé qui s'appelle Réponse et que vous pouvez voir pendant ces fêtes de fin d'année. Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie. Ah, tu es là toi aussi. Je te taquine. Cesse donc de tout prendre au sérieux. Cette année, je n'ai que des rôles de méchante. Alors, je suis très contente. Oh, trésor, je te taquine. Oh. Mère, comme je le disais, demain est un grand... Maman se sent très fatiguée aujourd'hui. Peux-tu chanter pour moi, chérie? Moi, j'ai adoré ce qu'a fait Maëva. En fraîcheur, en... Elle est absolument délicieuse, adorable et c'est une vraie petite princesse. Et je vois dans ce regard que les lumières brillent pour nous. Et dans la douceur du soir, je sens que le monde a changé. Réponse à voir au cinéma pour passer un joli moment en famille. Maëva, c'est une nouvelle expérience pour toi. C'est quand même extraordinaire, non? Oui, c'est le conte de fées qui continue. Ouais. C'était magique et... j'ai appris en plus que c'était le dernier Disney de princesse. Donc ah oui. Il n'y en aura plus. Donc je suis la dernière des princesses. Oh là Disney. Là. Alors peut-être que justement tu pourrais nous chanter comme ça un petit extrait de Je veux y croire, qui est la chanson du film. Ah oui, en plus on a une petite surprise. Ah. Me voilà sous le ciel étoilé. Je suis là et soudain je vois. L'avenir s'est éclairé, ma vie est à l'endroit. Et je vois dans ce regard que le voile enfin s'est levé. Et je vois dans ce regard que les lumières brillent pour nous. Et dans la douceur du soir, je sens que le monde a changé. Maintenant, tout semble différent. Je veux croire en vous. Je veux croire en nous. Daniela. C'était un cadeau pour toi. Ah, c'était gentil. À dessein et animé de bonnes intentions. Ah, c'est gentil ça. Sylvie, c'est joli? Joli, très joli, charmant.
Elle a une vraie voix de princesse. Oui, vraiment. Et vous allez voir encore des dessins animés avec votre fille ou elle est trop grande maintenant? J'aime plus les dessins animés qu'elle. Oui, c'est ça. On prétexte les enfants, mais on y va pour nous. Alors, en cette période de fête, eh bien, c'est le moment idéal pour évoquer toutes les belles chansons des dessins animés. Merci d'accueillir pour cela Nathalie Lhermitte. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie. Bonjour princesse. Tu as fait toi-même quelques voix de dessins animés, non? Dans ta longue carrière de chanteuse. J'ai fait pas mal de génériques pour des dessins animés. Ah, des génériques, oui. Alors, on commence avec le classique des classiques, c'est Blanche-Neige et les Sept Nains. Et la chanson Un jour, mon prince viendra, tirée du premier film d'animation de Disney qui est sorti en 1937, adapté des contes de Grimm. Absolument. Vous la connaissez tous? Oh là, tous. Allez, Un jour, mon prince viendra. On la chante tous ensemble. Je désespère pas. Quand même, les princes. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. Dans son château, heureux s'en allant. Goûte le bonheur qui nous attend. Comme le printemps, un jour. En tout cas, que les filles sur ce plateau chantaient toutes sur cette chanson. On a tous chanté ça. Toutes. On parle du prince, mais pas du prince charmant. Car le mot prince charmant a été inventé beaucoup plus tard, Sylvie, par Disney, en 1950 dans Cendrillon. Avant, ça n'existait absolument pas. Et on a découvert Un jour, mon prince viendra en 62 en France par Lucie Dolène. Elle est revenue ensuite au dessin animé en 1991 dans un dessin animé très célèbre, La Belle et la Bête, où elle interprétait la voix de la gentille théière Mademoiselle Samovar. Et La Belle et la Bête a été un succès mondial. Conte de toujours. Siècles passés, de cœurs étrangers, que tout a changé. Découvre l'amour, tout est Nathalie la Belle, je veux bien, mais Jacques la Bête, non. Ouais, c'est pour ça que je me suis éloignée. Il s'est rasé tous les poils. Non. Caroline, ça a bercé ton enfance, ce genre de chanson? Ah oui, totalement. Ouais. Et c'est vrai que je suis très émue d'écouter toutes ces chansons de Disney parce que j'adore. Ouais. Même à 14 ans, je suis dada de ça. Voilà, je suis pas là. Et quand tu vois Maëva qui double. C'est magnifique. Ouais. J'avais les larmes aux yeux tout à l'heure quand j'ai vu. Je vous ai vu chanter tous les deux, vraiment. Merci. Oh non, c'est pas possible. Si, si, vraiment. Merci. Oh ma chérie. Merci. Cette chanson, C'est magnifique. C'est devenu un succès international, cette chanson-là. Oh, bah, il y a eu Céline Dion, et puis Charles Aznavour et Yann Folli, Patrick Fiori et Julie Sedati ont tous repris cette chanson. Incroyable. Et en ont fait un succès. Et puis alors, en 92, il y a eu Aladdin.
Et Aladdin, c'est un tournant dans l'histoire du dessin animé, car pour la première fois, on utilise l'informatique, l'ordinateur, pour placer les personnages dans les décors. Et la voix française qui faisait le générique était inconnue à l'époque. Elle est devenue célèbre ensuite, puisque ça a été la vedette de la première comédie musicale de Dove Atia et Albert Cohen, les commandements. C'était Daniel Lévy. Daniel Lévy, ah oui, qui a chanté Aladdin. Et la chanson, c'était quoi, tu sais ? Ce rêve bleu. Ce rêve bleu. Accueillir un prince et une princesse, c'est la troupe du spectacle musical Cendrillon qui cartonne en ce moment sur la scène du Théâtre Mogador à Paris, et ils sont venus en famille. Il y a la méchante belle-mère, les deux sœurs Chippy, Suzy et Susan, Toninon, le frère de Cendrillon, et puis ils nous offrent pour Noël, pour les fêtes, un medley de Cendrillon. Ma chère fille, laisse-moi te présenter une nouvelle sœur. D'être ta sœur, je suis c'est leur mère. Chère Suzy et Susan, je sens déjà que nous nous aimerons. Nous serons amis pour toute la vie. Cela ne présage rien de bon. Et maintenant, mes très chères sœurs, suivez-moi s'il vous plaît. Cette maison et tout l'aimable Susan. Oui. C'est son visage couvert de boutons. Alors que chez Suzy, ma préférée, eh ben, ce serait plutôt de l'acné. J'adore son gros doigt boudiné. J'adore quand elle le met tout au fond de son nez, comme ça. Susan est beaucoup plus polie. Oui. Elle rote pour dire merci. Merci. Moi, je voudrais une chambre de reine, comme Cléopâtre l'égyptienne. Est-ce que la femme de César dormirait dans un placard? Non. Moi, je serai la star des magazines. En couverture, je serai divine, avec une photo volée que j'aurais bien négociée. Vous aurez tout ce que vous voudrez, mes petits trésors, mes filles d'argent. Prenez autant que vous pouvez, n'hésitez pas, il faut voir grand. Moi, d'autres ont déjà tracé ma voie, et s'il ne me reste qu'un choix, je veux te garder près de moi. Tu sais, je ne m'imaginais pas m'abandonner entre tes bras. Prisonnier de tes yeux, ton sourire, je ne vais jamais m'enfuir. Dis-moi, es-tu le miracle que j'espère?
pense à mes prières. La moitié d'un tout est-ce nous. Je voudrais te murmurer tout bas. J'ai tant de choses à partager, tu vois. Raconte-moi tout. Retrouvez tous les personnages que vous venez de voir dans le spectacle musical Cendrillon sur la scène de Mogador à Paris et bientôt en tournée dans toute la France. Merci, merci beaucoup. Et puis, vous pouvez retrouver aussi cet enchantement musical pour les petits et pour les grands dans le DVD Cendrillon. Caroline, ça t'a plu ? Oui. Ouais. J'ai vraiment envie de voir ce spectacle, là, ouais. Vraiment. C'est drôle parce que c'est en magnifique. Même temps très décalé. Ah mais j'adore complètement, ouais. C'est bon, génial. Bah voilà, bravo. Alors je t'offre aussi des places, allez. Oh, avec plaisir. Aujourd'hui, des places pour Cendrillon. Bravo. Alors, désormais, le dimanche après-midi, vous êtes nombreux à regarder Shabada, et je vous en remercie. Mais il y a une trentaine d'années, celle qui accompagnait les dimanches des téléspectateurs, et les samedis surtout, c'était Denise Fabre, avec son acolyte Garcimore, et ses célèbres fous rires. Et bien cet après-midi, elle est venue nous rendre visite. Merci de l'accueillir, Denise Fabre. Bonjour Denise, merci d'être avec nous cet après-midi. C'est un bonheur. C'est toujours vraiment. Un plaisir de vous voir. Vraiment. Et moi aussi. Vraiment. Alors, avec Sylvie, vous êtes... avec Jacques, avec tous, ben c'est voilà. Superbe. Vous connaissez belle tout le monde. Émission. Hein. Bah, oui. On a fait quelques oui. émissions. Oui, absolument. Alors, vous êtes de retour avec un superbe coffret, mais vraiment magnifique, qui s'appelle oui. Nos années TV, et vous présentez des archives géniales. Des archives rares voilà. De Lina. Il y a 9 sur heures de les programme. Temps forts de la télévision. 30 ans de télévision, de 1950 ouais. à 1980. L'explosion de ouais, la télévision, les ça. Débuts. Les 30 voilà. Glorieuses. Voilà, absolument. Ouais, mais il faut savoir quand même qu'il y avait 4000 postes au départ ouais. et 20 millions fin des années 70. Ce que nous avons retenu de ce DVD, bien entendu, c'est ça. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Nous espérons vous faire passer un très bon après-midi. Il y a un bruit sur ce plateau. Je sais qu'est-ce qui a touché. Il fait tout tomber, tout son matériel, Garcimore. De contraster. Oui, bah, je fais ça. Mais ne comprends pas le français. Touche là, touche. Ah, je touche. Alors, je pense à des escargots cuits dans un petit plat. Non. Ça n'est pas ça. Touche. Il m'énerve. Touche. Madame Suzanne Pem. La messe de l'Assomption en direct de Gruyère, en Suisse. Je suis jamais arrivée. Comment vous appelez-vous, monsieur ? Monsieur Bonaventure. Oh là là ! L'après-midi, un programme destiné à nos jeunes amis, avec le Viking, Sillon et sa bande. Et puis la case de l'oncle Tom. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit. Incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire oui. d'avoir tout le monde rit, parce oui. que c'est super communicatif. Et on se demande vraiment comment ça se passait, quoi. Ce qui s'est passé. Ben oui, qu'est-ce qui oui. se passait ? Pourquoi est-ce que vous étiez à ce point morte de rire ? Avec Florence Schall, qui oui. était à côté de moi, oui. C'est-à-dire que je suis arrivée pour donner le programme du soir, au dernier JT. Et là, ils avaient fêté, ils avaient eu un petit cocktail et tout. Et tout d'un coup, je commençais les émissions religieuses. Et l'un des journalistes près de la caméra a commencé à s'effeuiller carrément. Elle jouait les Chippendales. Et donc, nous, on était toutes les deux là.
je ne savais plus comment faire. Et on a été pris d'un fou rire parce que franchement, et comme tout le monde était absolument avec, comme nous, le fou rire, donc personne ne nous chantait comme on dit, c'est-à-dire on ne nous enlevait pas de l'image et on continuait en continuant en disant, bon, c'est pas possible. Mais vraiment, je veux dire... Et qu'est-ce qui s'est passé après? On vous a fait des reproches ou pas dans la chaîne? Oui, absolument, note de service. Ah, oui. Florence Schall a été interdite de journal télévisé. Décidément. Mais oui, c'était très strict Florence Schall, qu'on salue et qu'on espère voir revenir bientôt à la télévision. Absolument. Et moi, note de service... Interdite d'antenne pendant... Mais c'est le lendemain, j'ai vu mon directeur des programmes qui me dit, mais écoutez, moi, je l'adore vous entendre rire, mais je vous ai toujours dit, Denise, dites, faites participer les téléspectateurs, expliquez ce qui se passe. Ah bah oui, bah là, vous auriez expliqué, c'est pas possible. Ça aurait été difficile. C'était pas possible. Il y a quelqu'un qui se déshabille devant moi, là, c'est pour ça que je ris. Non, mais on n'a jamais donné le nom du journaliste en question, parce que je crois que là, franchement... Il aurait carrément viré. Carrément. Alors, vous avez sorti aussi une biographie qui s'intitule Au cœur des étoiles, aux éditions du Rocher. Et alors, vous retracez votre parcours, vous racontez plein d'anecdotes. Yves Mourouzi qui vous envoie une équipe télé à l'hôpital le jour où vous accouchez vos jumelles. Non, mais ça, il y avait qui, Yves Mourouzi, pour faire ça? Léon Zitrone à l'Eurovision, puisque vous avez présenté avec lui le concours de l'Eurovision qui se déroulait en France, puisque l'année précédente, Marie-Myriam Absolument. L'avait emporté avec quelle chanson, Jack? L'oiseau et l'enfant. Ouais. Voilà. Bravo. Mais Léon Zitrone était un personnage hors du commun. Moi, je me souviens l'avoir croisé un jour, il venait de terminer son émission, et une demi-heure plus tard, il rencontre une dame dans la rue qui lui demande un autographe, il fait « Madame, j'ai terminé mon émission depuis une demi-heure, je vous interdis de me reconnaître. » Alors, Denise... vous savez que dans le DVD, il y a une séquence où on voit Zitrone interviewant Jane Mansfield. Jane Mansfield, grande star américaine, un peu à la Marilyn, poitrine très rebondie. Et alors, elle était à côté de lui. Vous connaissez tout ça. Enfin, vous imaginez comment était Léon Zitrone, extrêmement impressionnant. Et elle avait un petit chihuahua qu'elle avait placé au creux de ses seins. Et Léon n'avait Dieu que pour le chihuahua. Ouais. Et il s'approchait, il disait, vous permettez, j'adore ce petit chien écrasé. Et au bout d'un moment, il dit à Jane Mansfield, si vous permettez, franchement, je ne peux pas résister, est-ce que je peux l'embrasser, ce petit chien? Je vous jure. Incroyable. Mais à voir, alors, dans ce DVD. Il s'en passe des choses à la télévision. Denise, il faut avoir ce DVD, c'est extraordinaire. Ah bah oui, c'est génial. Que ça. C'est génial. Dans le coffret, on trouve un extrait du célèbre dessin animé français Le Manège Enchanté de Serge Danneau, qui a été diffusé à partir de 1964 sur la première chaîne de l'ORTF, justement, quand vous avez fait vos débuts. Il a été diffusé dans 90 pays et traduit en 28 langues dans le monde entier. Puis récemment, il a été adapté sur scène. Pollux, Manège Enchanté, donc, c'est en ce moment et c'est au Théâtre Comédia et bientôt en tournée dans toute la France. Regardez un extrait. Pollux et le Manège Enchanté, c'est même plus qu'un bois joli, qu'une récré, c'est la fête avec la petite Margotte et en tête, c'est du. Tout petit à voir Pollux, le Manège Enchanté. Donc c'est sur scène actuellement au Théâtre Comédia à Paris et puis en tournée dans toute la France jusqu'à la fin du mois de mars. Alors Denise, vous êtes particulièrement occupée c'est les années 60. En ce moment, le DVD, le livre et la tournée Achetendre que vous présentez. Oui, ça c'est vraiment magique. Je crois que c'est un succès énorme. Mais oui, c'est près de 14 000 spectateurs dans la journée. Dans les plus petites salles, c'est 10 000. C'est fou. Et je crois qu'il faut voir ça une fois dans sa vie. Oui. C'est extraordinaire. C'est une addition. Il y a 17 artistes, 4 heures de spectacle. Et vraiment des moyens extraordinaires qui sont mis en place par le producteur. Et c'est l'addition de tous ces artistes qui fait qu'il y a une ferveur, il y a une émotion, il y a une tendresse, il y a tellement d'amour. Et puis on se rend compte que le public est là, fidèle, connaît les chansons par cœur. Et c'est un vrai bonheur, plaisir, hein, vraiment. Et l'année prochaine, il y aura 60 musiciens sur scène. Ah, bah dis donc, et ça fait quand même 5 ou 6 ans que ça tourne. 5 ans. Alors je rappelle que le coffret DVD Nos Années TV, les grands moments du petit écran, est disponible et il est présent sous la forme d'un disque 33 tours vintage, Bien sûr. Il nous plonge donc dans les grands événements télé, comme le mariage de Régnier et de Grace Kelly, ou encore l'assassinat de John Kennedy, des moments historiques, mais aussi des moments drôles, comme on l'a vu tout à l'heure, qui se succèdent avec, comme fil rouge, le commentaire de Denise Fabre. C'est un très bel objet à ne pas rater. Merci. Les impros du petit écran. Merci beaucoup, Denise. Merci, Daniel. Sylvie. Alors, vous avez quand même une carrière extraordinaire. Vous avez plein de tubes à votre actif. Et je suis très heureuse parce que vous jouez le jeu de Shabada et vous avez choisi d'interpréter les chansons de quelqu'un d'autre. Et en l'occurrence, c'est assez décalé. C'est même étonnant. C'est Georges Brassens. On a l'impression qu'il est très loin de votre univers. Pourtant, non seulement vous l'avez rencontré, mais vous avez même chanté avec lui. Oui, mais quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup ses chansons.
Ouais. C'était vraiment Georges Brassens, tout le monde le chantait en fait. Il a fait des chansons magnifiques et je les connais. Qu'est-ce que vous avez chanté avec lui en duo ? À quelle occasion ? C'était, je pense, une émission de Jacques Chancel. Ouais. Le Grand Échiquier ou quelque chose comme oui, ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Les bancs publics, les amoureux des bancs publics. Oui, parce que je crois que c'est une chanson populaire que tout le monde connaît. En tout le monde va chanter avec vous, là. Un petit extrait, Denise, on va réentendre votre voix qui chante. C'est parti. Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, s'ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Merci Sylvie. Vous venez de sortir un nouvel album qui s'appelle Soleil Bleu, juste un an à peine après le précédent. Comment ça se fait que vous êtes allée si vite ? Vous aviez plein de belles chansons que vous aviez envie de chanter. Oui, c'est ça, oui. Ouais. En fait, j'ai fait une rencontre en la personne de Kerenan et de Dorian. Et ça a été vraiment un coup de foudre artistique et puis musical et humain en même temps. Et nous avons voulu vraiment travailler très vite ensemble. Keren avait un disque, des chansons en cours déjà. Et puis moi, j'avais d'autres projets. Il fallait vraiment que l'on fasse assez vite pour pouvoir venir à bout de cette envie. Il y a aussi Benjamin Biolay qui a participé à l'album. Arthur H, La Grande Sophie, qu'on aime beaucoup dans Shabada. Il y a deux duos, un avec Julien Doré et l'autre avec Arthur H. Exactement, oui, Sous Ordonnance des Étoiles. Et on a joué ça, ils ont eu l'amitié de venir chanter avec moi au Châtelet. C'était vraiment des moments magiques. Je vous propose de regarder quelques images qui ont été tournées pendant l'enregistrement de cet album. Alors Sylvie était, vous allez le voir, très bien entourée. Maëva, Michele, on se retrouve tout à l'heure pour le nouveau tube extrait de Mozart, l'opéra rock. C'est bientôt la fin, à tout de suite. Quand tu te mets à genoux, je fais l'amour. Et quand sur ton piano tu joues, je fais l'amour. Et quand le soir tu rentres tard et sous, je fais l'amour, je fais l'amour. Soleil bleu. C'est une larme. Je n'en sais pas. C'est dans mes yeux. Je ne vois pas. Prenez ma main. Je n'ose pas. Tenez-la bien. Elle me fait mal. Laissez-moi baiser cette main. Sous ordonnance des étoiles. Reste là. Tu m'en
mensonge et du vrai. Reste là. Des choses qui me retiennent. Reste là. De ma voix, de la tienne. Reste là. J'effacerai ma mémoire. Reste là. Les années sans te voir. Reste là. Je me détacherai. Reste là. De tout ce qui viendrait à me manquer. Je me détacherai. De l'amour s'il le faut. De tout ce que je sais. Sans plus rien sur le dos. Ni les bras. Reste là. Je me détacherai. Reste là. Du mensonge et du vrai. Reste là. Des choses qui me retiennent. Reste là. De ma voix, de la tienne. J'effacerai ma mémoire. Reste là. Les années sans te voir. Reste là. Je me détacherai. Reste là. De tout ce qui viendrait. Les grands voyageurs qui apprennent à marcher, même une poussière dans l'œil, et ne font que passer où qu'ils soient. Je me détacherai, extrait du nouvel album de Sylvie Vartan. Merci Sylvie. Sylvie qui sera aussi au Théâtre Marigny au mois de mars dans la pièce de Daniel Thompson aux côtés de Mathilde Seigné et de Tony Marshall. C'est une belle aventure ça. C'est... Oui, c'est une belle aventure, ouais. C'est une comédie qui promet d'être assez drôle. Hein. C'est la première fois que vous jouez comme ça au théâtre, non? Oui, c'est la première fois. Génial. J'aime bien faire des premières fois. Bah ouais, c'est très émouvant. Ouais, c'est bien, il faut toujours faire des premières fois. Et puis vous allez repartir en tournée en 2011. Programme chargé. Oui, j'aime la scène de toutes les façons. Ouais. C'est ce que je préfère. Bah, vous allez être servie. Et puis, c'est des rendez-vous toujours ponctuels avec le public. Ouais. Et ça fait des plaisir. Moments magiques. Alors, je vous propose maintenant d'accueillir trois jeunes filles. Alors, elles ont une très jolie voix, une voix cristalline. Ce sont les Vox Angeli. Lola, bonsoir les filles. Bonsoir, joyeux Noël. Merci, une bonne fête de fin d'année et c'est un vrai plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour cette émission très familiale de fête. Vous faites partie de cette aventure Vox Angeli depuis un long moment, mais tous les garçons vous ont abandonné. Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est normal, ils ont mué parce que c'est la vie quoi. Et surtout la vie des garçons. Ouais. Oui, oui. Ouais. Maintenant ils peuvent plus chanter avec nous et c'est dommage, mais ils vont peut-être revenir. Oui. Ouais, peut-être. Du coup vous êtes très bien toutes les trois. Et puis comme ça change et puis de toute manière nous on est heureuses de chanter. À quel âge vous avez commencé avec ce groupe? Moi j'avais 10 ans. Ah ouais. 11 ans. Et moi je crois 11 ans. Ouais. Vous allez toujours évidemment en cours. Ça change quelque chose dans votre vie? Non, c'est juste une bonne part. Enfin, c'est une jolie aventure qu'on a de la chance de vivre ça. Et puis, ça se passe comment à l'école quand vous faites des télés comme ça et que vous retournez à l'école? Les gens, ils sont sympas, ils nous souhaitent bonne chance, mais ils ne sont pas focalisés sur ça. C'est nos copains d'école et puis c'est ça en premier d'abord. Alors, certaines d'entre vous ont vécu à l'étranger, non? Tu as vécu au Sénégal, c'est ça? Oui. La chanson française, vous avez été baignée dedans? Vous l'avez découverte tardivement avec le groupe? Ça s'est passé comment? Moi, je l'ai découverte tardivement, oui. Ouais.
parce que je suis d'origine américaine, alors. Ah, c'est ça. Parce qu'en plus, vous reprenez quand même des chansons qui datent pas d'hier, hein, plutôt d'avant-hier même. Oh oui. Par exemple, la balade irlandaise. Vous allez nous en chanter un petit extrait tout à l'heure, mais on va commencer avec. Bah oui, l'album, c'est le thème, c'est Irlande. C'est un très bel album d'ailleurs, hein, un très beau choix de chansons. 10 chansons qui évoquent un peu l'Irlande, Ensemble de Jean-Jacques Goldman, New Soul de Yael Naïm, et puis le titre de Hugo Frey, Stewball. Oui, qui date de 1822 en réalité, parce que c'est une légende irlandaise d'un cheval qui appartenait à un propriétaire pauvre et qui a battu le cheval du propriétaire le plus riche. C'est David contre Goliath. Et exactement. Et ce cheval était tacheté et on l'appelait un Stewball. Et c'est pour ça que la chanson s'est intitulée Stewball. Voilà. Bah, comme ça, vous avez appris quelque chose. Hein, on vous écoute un extrait de Stewball. Il s'appelait Stewball. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. Notre pauvre père. Acheter ce pur sang avait mis dans l'affaire jusqu'à son dernier franc. Il avait dans la tête d'en faire un grand champion. Angélie, très jolie les filles, jolie. Bravo, hein. Sylvie. Oui, j'adore. Jolie voix. Très jolie voix. Vous voulez en faire votre métier ? Moi, j'aime beaucoup chanter, mais ça se présentera comme ça se présentera après. Enfin, ce serait merveilleux, mais on peut pas tout espérer non plus. C'est quoi tes matières fortes à l'école ? Enfin, je sais pas. Moi, j'ai des bons résultats partout, donc. Formidable. Bon. Mais comment vous êtes arrivé à vous grouper, en fait ? C'était un choix ou quelqu'un vous a sélectionné ? Oui, c'était un casting, en fait. Un casting. Et puis voilà, donc c'est comme ça que le groupe s'est créé. Vous avez pris des cours de chant ? Pendant longtemps. Un peu country. Ouais, elles ont toutes les trois de très jolies voix. Alors, on continue avec... C'est très frais, très pur. La balade irlandaise, Bourville, vous vous en souvenez ? Ah oui, hein, tout à fait. Voilà, on va vous écouter avec cette balade irlandaise. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors auprès de moi. Merci beaucoup les filles, vous avez fait au moins un heureux, hein,
Jack, il jubilait pendant la chanson. Ah, j'adore cette chanson. Et elle a failli ne jamais exister. Pourquoi? Cette chanson. Elle a été écrite en 1950 et les auteurs Eddie Marnay et Emile Stern, pendant 10 ans, n'ont trouvé personne pour la chanter. Mmh. Et un jour, on leur a proposé Bourvil. Ils ont dit, mais Bourvil, il est fou, c'est fou, ça marchera pas, il chante les crayons. Et bien, ça a été les débuts de la tendresse de Bourvil, ah, et un immense premier succès. Titre premier un peu titre tendre de Bourvil. L'album de Vox Angeli, Irlande, est dans les bacs. On lui souhaite le même succès que les trois précédents qui se sont quand même vendus à plus de 500 000 exemplaires. Merci beaucoup. Je suis sûre que toutes les trois, vous devez être fans de la troupe de Mozart, l'opéra rock, ouais, les chansons. Ouais. Vous l'avez vu, le spectacle? Non, malheureusement. Allez, je vous offre des places à vous aussi. Je ne sais pas comment je vais faire. On va écouter une chanson, la nouvelle. Ils sont au Palais des Sports, évidemment, à Paris, en tournée dans toute la France. La chanson s'appelle « C'est déjà la fin ». Ce n'est pas tout à fait la fin de Shabada. Les voici, ils sont tous là, en costume, pour vous. Du phare sur tes idées pâles, on va faire tanguer les étoiles bien plus haut encore. Ce soir c'est le grand jour, allons voir tomber les tambours, la fanfare, les soldats de cour. Dans Shabada. Merci à tous d'avoir revêtu vos beaux costumes pour cette émission. Et le DVD et le livre du spectacle sont sortis également. Et cette chanson a beaucoup plu à Sylvie. Hein, je trouve très très bien, oui. Ouais. C'est le final. C'est le final maintenant. Ah, oui. Hein.
Merci, merci Mélane, Solal, Maëva, les filles, merci à vous tous. Caroline, tout à l'heure tu as choisi Jacques Brel. Pour ton deuxième extrait, là tu vas chanter quelqu'un qui correspond davantage récent, à ta génération, c'est Jennifer. C'est ça. Quelle chanson ? Donne-moi le temps. C'est ton idole, Jennifer ? C'est une artiste que j'apprécie énormément. Et c'est grâce à elle un peu que j'ai voulu faire de la scène. Parce que je l'ai vue être heureuse sur scène, danser, bouger. Et c'est ce qui m'a donné envie. Tu danses aussi ? Oui, je danse. Ouais. Voilà. Artiste complète, Caroline. Hein, suivez-la. Caroline Costa avec un extrait de Donne-moi le temps. Tellement de gens veulent tellement être aimés, pour se donner peuvent tout abandonner. Tellement d'erreurs qu'on pourrait s'éviter si l'on savait juste un peu patienter. Donne-moi le temps. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour au hasard ou qui arrive trop tard. Je prendrai le temps d'attendre. Tu as 14 ans, tu as un premier single qui sort, bientôt un album qui est en préparation. Qui je suis ? Est-ce que c'est autobiographique ? C'est ça. En fait, c'est vraiment... Parce que cette histoire, enfin, qui je suis, cette chanson résume ma vie d'adolescente. Ouais, qui est un peu particulière, ta vie d'adolescente. Ouais, elle n'est pas ça. Tout à fait comme celle des autres, parce qu'on t'a très tôt vue, exposée à la télévision. Voilà. Et cette chanson, c'est pour montrer aux gens que je suis normale. Non, mais sérieusement, parce que... Non, mais c'est vrai. Moi aussi, je vais être normale. Non, mais c'est vrai. On me prend pour un extraterrestre, des trucs comme ça. Elle chante, machin, bidule. Mais je suis normale. C'est pas une extraterrestre, c'est une terrestre extra. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, je te propose de rejoindre la scène de Shabada, les musiciens qui t'ont accompagné en live, d'ailleurs, pour chanter la chanson de Jennifer. Et on va découvrir ce premier titre de Caroline Costa, Qui je suis. Je me sens seule parfois, je garde tout pour moi. Ça me blesse souvent. On raconte des histoires, on parle sans savoir, mais personne ne m'entend. Et tout ça parce que je chante, on me croit différente. Personne ne m'entend, mais je suis prête aujourd'hui, partout dans ma vie, à montrer qui je suis. Même si je gagne, si je perds, oh, 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 oh.
quoi que je dise ou fasse, je ne trouve pas ma place. Mais je rêve en silence, et je sais que quelque part, toi tu sens la voix derrière ce que l'on pense. Si maintenant j'ai envie, partout dans ma vie, te montrer qui je suis. S'appelle Soleil Merci. Bleu. Merci à la troupe de Mozart Merci. Et à tous ceux qui ont participé Merci. À cette émission. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. On se retrouve en 2011 désormais pour d'autres chansons, beaucoup de musique et j'espère encore beaucoup de plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis et à très vite sur France 3.